Ne soyez pas impressionné par ça, c'est juste 20 ans de travail et beaucoup de sacrifices. Vous pouvez l'être un peu tout de même. Eh bien bonsoir et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous? Vous passez un bon été? Des bonnes vacances? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Il y a des fois, je ne comprends pas réellement l'algorithme de YouTube. Vous savez, il y a 2 ans, j'ai sorti une vidéo qui s'appelle 92% vont voir flou en regardant cette vidéo. Illusion d'optique. Et il y a quelques temps de ça, alors je ne sais pas ce qui s'est passé, mais YouTube a décidé de mettre cette vidéo dans les recommandations de tout le monde. Pourquoi allez-vous me dire? Eh bien, c'est l'un des mystères auxquels je ne pourrai pas vous répondre. Nous allons tout de suite analyser cela ensemble. Vous voyez que le 12 novembre 2018, j'ai sorti ma vidéo. Elle a fonctionné, bon bah après ça se calme, hein. C'est tout à fait normal, voilà, le temps passe, il y a 1 an qui passe, et là, pouf! Voilà, on sait pas ce qui s'est passé, il y a eu un pic, elle arrive dans les recommandations de tout le monde, après ça se calme un petit peu, tranquillement, voilà, là il y a encore quelques mois, pouf! Ça refait un tout petit pic, voilà, et puis bon après ça se calme. Eh bien écoutez, suite à ça, je me suis dit qu'il était peut-être temps que je sorte l'épisode numéro 2. Eh bien aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'aller voir cet article de sortition qui s'appelle « Illusion d'optique incroyable ». Test et explication de 50 illusions. Alors je ne sais pas si on va voir les 50 dans cette vidéo, ça fait quand même beaucoup. Peut-être y aura-t-il un 3e épisode, allez savoir. Écoutez, je vois ce que vous en pensez, vous me faites péter les likes à fond sous la vidéo, vous n'oubliez pas de vous abonner, vous n'oubliez pas également le petit lien G2A pour acheter vos jeux vidéo moins chers, tout est dans la description les mecs. Et les filles. Oui, mais tu dis tout le temps les mecs, y a des filles aussi. C'est vrai. C'est pour... On va tout de suite voir la première ensemble, un génie a réussi à faire que ses dragons vous suivent du regard. Agrandissons ça. Ça fait flipper, c'est... Ouais, ça fait effectivement très flipper. Alors en fait, l'illusion voudrait que les dragons ne bougent pas, ils sont complètement fixes. Enfin, je pense. Je trouve ça assez creepy. Ça fait assez peur pour le coup. J'en voudrais pas dans ma chambre. Quoique ça pourrait faire un petit compagnon sympa dans le salon. Faut voir. Accident en prévision. Alors pareil, celle-ci, je la connais. Mais franchement, elle est super bien faite. En fait, si vous voulez, c'est de la peinture 3D au sol. Selon l'angle où tu regardes le truc, t'as vraiment l'impression que c'est la continuité des poteaux en fait. C'est quand même dingue, hein. Et je sais qu'il y a pas mal d'artistes qui font ça, de la peinture 3D au sol. Tu peux voir notamment des fresques des fois avec des cascades, des chutes, des falaises. Et c'est super bien fait et bah là, ça représente totalement ce qu'est la peinture au sol en fait. La peinture 3D au sol. Combien de pattes comptez-vous? Eh bien écoutez, je vous propose de les compter ensemble. Alors, il y a un piège. On aurait tendance à dire 1, 2, 3, 4, 5 pattes. Forcément, un éléphant, ça n'a pas 5 pattes. C'est que là, il faudrait compter 1, 2, 3, 4... suivant. Écoutez, vous me direz combien vous avez vu de pattes. 5, 6, 12, 18, je ne sais guère. Moi, ça me fait fumer la tête, ce genre de truc. Ah, et bah voilà une illusion d'optique que j'attendais. Les barres grises sont-elles droites? Absolument. Ce qui vous fait croire à une sorte de courbe. En fait, c'est des petits carrés noirs qui sont déviés entre eux, qui eux ne sont pas parallèles du coup. Mais quelle est cette diablerie? On vous prouve que le carré est bien de la même couleur. Agrandissons ça ensemble. Là, je pense qu'on part totalement sur un jeu de lumière, à mon avis. Un jeu de lumière, un jeu d'ombre. Je pense que c'est l'ombre qui fait... Je pense, hein. Ouais, c'est vrai que c'est assez chelou pour le coup. Et puis moi, je pourrais rester bloqué des heures là-dessus, hein, ça craint. Vous voyez des lignes tordues? Absolument, mais je pense que c'est dû au cercle, enfin à l'espèce de cercle noir. Voilà, encore une fois, ça va être le même principe que les barres grises parallèles qu'on a vu tout à l'heure. Donc, les barres rouges ne sont bien entendu pas tordues, hein. Elles sont toutes parallèles, bien droites les unes aux autres. Alors, je ne saurais vous dire pourquoi ça nous fait percevoir des barres tordues, mais en tout cas, oui, on les perçoit bien. Parmi ces zèbres se cache un lion. Parmi ces zèbres se cache un lion. Attends, faut loucher, non? Ah, yes, ok, d'accord. C'est bon, je l'ai. Ouais, si vous la regardez de loin, vraiment, ok, d'accord. C'est parce que moi, j'ai vraiment l'écran devant les yeux et tout. Si vous êtes sur le téléphone, peut-être vous allez le voir tout de suite. Mais oui, effectivement, regardez, je vais vous le tracer avec ma souris. Il y a bien un lion qui est ici.
Voilà. C'est cool, non? Alors celle-ci, c'est pareil, elle me fait fumer le cerveau. Là, par exemple, je viens de l'avoir changé 3 fois de sens en l'espace de 2 secondes. De quel côté tourne cette danseuse? Par exemple, si vous regardez la danseuse de gauche et que vous revenez sur la danseuse du milieu, vous allez la voir tourner vers la droite. Et si vous regardez la danseuse de droite et que vous revenez sur la danseuse du centre, vous allez la voir tourner dans le sens inverse. Et là encore, on a une danseuse de chaque côté de l'image pour nous aider à percevoir un petit peu de quel sens elle tourne. Mais si je vous enlève les deux images sur les côtés et que vous vous concentrez uniquement sur la danseuse du milieu, vous pouvez également la faire changer de sens, mais c'est un petit peu plus dur. Pareil, cette illusion, elle me retourne la tête, c'est un truc de dingue. Tout tourne. Oui, tout tourne. C'est vrai. Qu'y a-t-il comme illusion d'optique là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a? Tout ne devrait pas tourner? Non, là, clairement, tout tourne. Tout tourne, hein? Tout tourne ou tout tourne pas, les mecs? Enfin, moi, pour moi, je vois tout tourner, hein? Dites-moi si tout tourne dans les commentaires. Vous me dites, tout tourne ou tout tourne pas? Oh, ça, c'est excellent! Avec des cartes noires, on anime l'inanimé. C'est vrai. Oh, c'est terrible! Un chat qui court et tout. Trop bien. D'ailleurs, en parlant de chat, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé dans les commentaires la dernière fois. Oh, ça va, il y a Nasco, Phoenix. Non, il n'y a plus Nasco, Phoenix, les mecs. J'ai plus de chat. Il n'y a plus personne. Bon, en tout cas, elle est bien faite, cette image. Ok, d'accord. Ouais, c'est du dessin 3D. Je suis sûr que celle de droite, c'est une vraie orange. Mais c'est super bien fait. Je sais qu'il y a des vidéos sur YouTube. Il y a des gars qui sont super balèzes là-dedans, qui font des dessins ultra réalistes en 3D. Faudrait que je vous montre ça, un de ces quatre. Ça peut vraiment être le sujet d'une prochaine vidéo parce qu'il y a vraiment des trucs de malade à voir là-dedans. Pareil, voyez ici un cube. Facile à transporter. Et en fait, voilà, c'est un dessin 3D. C'est bien foutu en vrai, hein. Selon sous quel angle tu vas le regarder, tu vas percevoir les choses différemment. Alors la prochaine image, on va voir ça très vite ensemble parce qu'on l'a déjà traité dans la première vidéo. Vous avez peut-être très certainement l'impression que l'image bouge alors qu'en fait, elle est totalement fixe. Il n'y a rien qui bouge. Voilà, c'est uniquement vos yeux qui vous font croire que ça bouge. C'est bien fait, hein. Si on vous dit que les cercles du milieu sont de la même taille, ben, je les crois, parce qu'ils sont de la même taille. Si vous vous imaginez une ligne virtuelle qui englobe les deux cercles, vous allez voir qu'ils sont de la même taille. En fin de compte, c'est juste la taille des cercles qui sont à l'extérieur qui vont vous faire percevoir les choses différemment. Ok, alors là, on va faire une petite expérience ensemble. Je vais la faire exactement en même temps que vous. Il faut fixer le point vert pendant quelques secondes, donc le point vert qui est au centre, et après, il faut regarder ce que ça fait sur les points jaunes. Alors, je ne sais pas, on va le faire ensemble. Je vais fixer le point vert pendant quelques secondes avec vous. On va se donner peut-être 10 secondes. Ok, d'accord, c'est bon, j'ai vu. D'accord. Moi, je vois plus de points jaunes. Ouais, ok, d'accord. Je vois plus aucun point jaune par moment. Direct, tu décales le regard d'à peine un petit millimètre, ça fonctionne plus. Si vous fixez uniquement le point vert qui est au centre de l'image, vous allez voir que les points jaunes autour, ils vont complètement disparaître. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça a fonctionné pour vous. Si ce n'est pas le cas, vous remettez un petit peu la vidéo en arrière. En tout cas, oui, vraiment, ça fonctionne. Ces cercles sont-ils entremêlés? Alors comme ça, au premier abord, en les regardant de loin, on aurait tendance à dire qu'ils sont entrelacés, effectivement. Mais si on regarde bien, il n'y a aucun cercle qui se touche. C'est uniquement la forme géométrique des carrés qui ne sont pas droits qui vous font croire que les cercles sont entrelacés, entremêlés. Mais non, je vous laisse bien regarder l'image. Chaque cercle est dissocié d'un autre. Il y a 1, 2, 3, 4 cercles. Effectivement, très bonne illusion d'optique. Les deux carrés sont-ils de la même couleur? Cachez avec votre doigt la jonction. Ah ouais, total. Total, mon gars, c'est bien fait, hein. Ouais, ouais, c'est bien fait. Il y en a pas un qui est plus clair que l'autre. Il y en a pas un qui est plus clair que l'autre. Franchement, on aurait tendance à dire qu'il y en a un qui est gris et l'autre blanc. Bon, avec l'ombre, ça fait un peu blanc-gris, tu vois. Mais non, non. Vous cachez bien la jonction entre les deux. C'est-à-dire, voilà, je vous le ferai peut-être sur la vidéo directement, mais... Et effectivement, vous allez voir que le carré du dessous va s'assombrir ou je sais pas, mais... Ils ont exactement la même couleur en fait. C'est vraiment le genre de truc où je pourrais rester collé pendant des heures. Encore une petite expérience, fixez le point jaune, bougez la tête légèrement et vous allez voir que les anneaux roses vont commencer à bouger. Alors, effectivement, oui. Ouais, 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 ouais. Ouais. C'est dingue quand même, regardez comme ça. Quand vous faites comme ça, ça marche bien. Je vais arrêter parce que je vais encore rester bloqué là-dessus, moi. Ça bouge un peu trop? L'image est pourtant fixe. Autant, franchement, j'ai pas de mal à percevoir les illusions d'optique en général. Celle-ci, je n'arrive pas à la voir bouger. Non, pour moi, elle est fixe. Celle-ci, vous voyez, par exemple, bah moi, j'arrive pas à la percevoir. Comme quoi que des fois, vous voyez, il y a des gens qui vont percevoir des illusions d'optique, d'autres qui vont pas y arriver et... Et celle-ci, moi, non, j'arrive pas à faire bouger l'image. Bah écoutez, dites-moi si vous, ça a bougé de votre côté. Moi, ça ne bouge pas. What the fuck? Vous voyez des belles femmes comme dans les magazines? Retournez l'image. Je... C'est quoi cette image? D'accord. Ok, donc ça, c'est l'image du haut. Et l'image du bas.
qui fait beaucoup plus peur. Attendez, j'y arrive pas là. Je comprends pas. On va faire un truc. Voilà, je me demande s'il y a pas une arnaque là-dedans. Attendez, bougez pas. Je vais prendre une capture d'écran. Ok, donc là, on va pouvoir voir si c'est une arnaque ou pas. Les images du bas font peur, mon vieux. Mais c'est un truc de ouf. On va retourner l'image ensemble pour voir. Donc, celles du haut, vous voyez qu'elles sont bien. Celles du bas, elles font un petit peu peur, quoi. Mais voilà, retournons l'image pour voir. Ah non, c'est bizarre. Attendez, je la mets sur le côté. C'est très bizarre. C'est très étrange. Fais voir. Ouais, mais pourquoi on les voit comme ça en haut et différemment? Pas, je comprends pas. Ah bah si, effectivement, ça marche. Même si vous tournez la tête, ça marche. C'est bizarre. Elle est chelou, celle-là. J'arrive pas à la comprendre. J'en croise une comme en bas, moi ça me fout les boules, hein, direct. Tu sais, on croirait qu'elles sont vénères ou quoi, mon gars, elles vont te manger, mais... J'en rigole encore, vite, laisse tomber. J'arrête, ça fait un quart d'heure que je bloque là-dessus. Ok, alors écoutez, j'aurais bien fait durer cette vidéo plus longtemps pour voir les autres illusions, mais on va peut-être se les garder de côté pour un prochain épisode. Encore une fois, tout ça, c'est si vous le voulez bien. Vous me dites tout ça dans les commentaires, vous me faites péter les likes, vous pouvez vous abonner, bien sûr. Je vous invite également à aller voir la première vidéo qu'on avait fait sur le sujet, qui se trouve juste ici. Vous allez voir également des illusions qu'on n'a pas forcément vues dans celle-ci. En tout cas, j'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un bon moment, tout ça. On se dit à très vite pour de prochaines aventures. Et ciao tout le monde. Bye bye.